J'ai rêvé d'un autre monde où on se raconterait des histoires le soir. Et j'y suis. Je vais vous raconter la première fois où il m'est arrivé un truc qui ressemble à un film. Et où je me disais, tiens, où sont les caméras? Parce que là, j'ai du mal à croire que ce qui m'arrive, m'arrivait vraiment. En fait, j'avais peur du noir quand j'étais tout petit. Et dans mon cas, à moi, l'obscurité ne dissimulait qu'une seule chose. C'était le grand méchant loup anthropomorphe et anthropophage de Disney. On ne comprend pas ce qui se passe, il y a 350 personnes devant Times Square. Et là, on voit un avion rentrer dans une tour et un deuxième avion rentrer dans une tour. On était le 11 septembre. Il y a mes potes qui me disent, et ma famille qui me dit, ah bah, ça te fera une histoire à raconter. Je dis, ouais. Et à ce moment-là, je ne veux pas raconter l'histoire, je veux juste rentrer à la maison, je veux juste revoir mon fils. Il y a des inconnus qui ont pris soin d'autres inconnus, comme si c'était des gens de leur famille, vraiment. Il y a des gens qui ont pris des balles pour d'autres gens qui ne connaissaient même pas. On traverse tous des tempêtes, des épreuves, des choses dans lesquelles on croit qu'on ne se relèvera pas. Et puis finalement, il y a ces forces. En tout cas, cette histoire m'a étrangement marqué pour une chose. C'est ce moment où je me suis dit, j'ai 14 ans et j'ai rien fait de ma vie. Donc à partir de là, je suis devenu suractif. Je me suis mis à écrire des tas de trucs, à faire plein de choses, à faire de la musique, à faire des dessins et tout ça. Avec toujours cette idée, bon sang, si j'étais mort à 14 ans, j'aurais eu rien fait. Alors que maintenant, même si je meurs maintenant, j'ai l'impression que j'ai fait quelques petits trucs. Voilà, donc parfois on pense vivre quelque chose pour nous et en fait on est juste le pont pour quelqu'un d'autre. Parce que mon objectif c'était ça, c'était d'arriver sur scène ici et de vous raconter cette histoire debout. Donc voilà, merci de votre attention.